Bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Vous allez bien? Hein? Ah. Bonjour les amis. Alors, au potager de Goya, en ce moment, on a entamé les semis. Eh oui. Donc les semis de pleine terre, mais aussi les semis en godet. Alors, que ça soit en intérieur ou alors en extérieur. Donc vous voyez ce tas de branches. Eh bien, bon, c'est un peu le fouillis en ce moment parce qu'on est en train de faire ce qu'on appelle une ébène. Donc c'est ébène, ou alors on appelle ça aussi est morte, hein, donc qui est faite de branches, et donc qui va permettre aux oiseaux de s'abriter dedans, ainsi qu'à toute la biodiversité. On a repiqué un hibiscus. Ah, là, le vent d'hier, il a fait voler des trucs à travers le terrain. Alors ici, on a planté sous P17 donc des radis qui commencent à sortir. Ici, on a mis sous le filet, parce que les oiseaux, ils aiment ça. On a mis des petits pois, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore sorti. Non, il n'y a rien de sorti du tout. Derrière, on est en train de constituer la fameuse butte pour les potirons. Par derrière encore, on a fait une parcelle où on a mis des fèves, mais qui ne sont pas encore sorties, qui devraient sortir d'ici à peu près une semaine. Après, ça dépend des températures. On a repiqué également des plants de fraisiers gariguettes, donc qui donneront des fraises dans un an, à la saison 2021. Et ensuite, ici, on a commencé à travailler le terrain. Et ici, on a semé 6 lignes de carottes sur 6,20 m de long. On a commencé à délimiter une parcelle suivante qu'on travaille avec le véloculteur. Et donc, on enlève la bâche un peu à la fois, puisque c'est une bâche... Alors là, c'est pas une bâche, c'est une bâche style d'ensilage. Donc je défais la bâche un peu à la fois et puis je travaille parcelle par parcelle de façon à ce que par la suite l'intégralité du terrain puisse être exploitée. Bon là pour l'instant il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire parce que là il y a beaucoup d'enherbement. Là on a fait une tour pour brûler du bois. Brûler ce qui a brûlé. Donc ici on a fait un endroit pour faire des semis couvertes. Hop. Ensuite, on a stocké des cuves où on a mis de l'eau de pluie sur le côté de la serre, comme ça au moins pour arroser la serre cet été, quand les plants ils en auront besoin, les plants de tomates, les plants de concombres et autres, ce sera bon. Alors, ici, on a semé sous les cagettes des salades. Il faudra le temps qu'elles sortent parce qu'on a encore des températures négatives au jour d'aujourd'hui. Ici, encore une ligne de radis. Donc ça, c'est le rectangle potager de Christopher. Voilà. Alors ici, on n'a encore rien. Il va falloir qu'on voit ce qu'on va mettre dedans. Par contre, ici... On voit que notre pied de pivoine est en train de ressortir, donc là je suis super content parce que la pivoine que j'avais ramenée de Tourcoing, elle est en train de se subdiviser en deux. Normalement il n'y avait qu'un seul pied, maintenant il y en a deux, donc c'est cool. Si on pouvait en avoir encore plus par la suite, ce serait chouette. Donc là en fait
J'ai mis de la tonte de pelouse. Donc quand on tond la pelouse, voilà. Et comme ça, au moins, je vais dire, ça fait un engrais naturel, azoté. Donc ça aidera à la reprise. Mais bon, sachant aussi que tout ce qui est azoté, ça fournit, ça aide à produire des feuilles et pas des fleurs. Donc il faudra que je mette un peu de potasse. Alors, ensuite, on n'avait pas assez de 40 fraisiers. On en a également ici. Donc là, on en a 8. Donc en fait, ça nous fait 48 plants au total. Et puis ici, à partir de là, j'ai planté des artichauts en plaques alvéolées. Des artichauts, bon alors c'est pareil des deux côtés, hein. Sauf que d'un côté c'est des graines d'artichauts, donc c'est des plaques alvéolées. Bon, pour l'instant il n'y a rien de sorti, dû aux températures aussi. Donc des artichauts et des choux cabus, fil d'aircrotte, donc des choux pointus. Ça va, Mégane? Tu ramènes des bouteilles de Kézak? Oh, t'as fait tomber ça là-dedans. Donc ici, un trou qu'on a creusé. Où... Non, non, tu ramasses la bouteille, s'il te plaît. Où on met les déchets de cuisine, les fonds de pot. Et donc après, ça va amender le sol. Et puis, on plantera là-dedans par la suite. Je vais ramasser tout de suite la bouteille de Kézak. Alors, pourquoi les bouteilles de Kézak? Explication, quel est l'intérêt d'une bouteille de Kézak? Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop. L'intérêt d'une bouteille de Kézak, c'est ici, là. Vous avez un très long goulot. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je coupe la bouteille à peu près ici. Et j'enfonce dans la terre. Plouch! J'enfonce dans la terre. Plouk! Jusqu'ici, à peu près. Et donc ça fait un entonnoir, et comme en fait l'intérêt des bouteilles de Kézak c'est que le goulot est assez long, eh bien pour arroser les plantes c'est nickel. Comme ça on arrose directement au niveau des racines et on n'arrose pas ailleurs. Parce qu'en général sinon quand on arrose, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Mégane, quand on n'arrose pas dans une bouteille? Eh bien l'eau elle se perd de partout et donc on doit utiliser beaucoup plus d'eau. Alors que si on arrose directement au niveau des racines, et eh ben c'est chouette, ben ouais, et comme ça on utilise moins d'eau. Et eh oui, voilà. Ah non, il colle pas en ce moment avec le confinement. Alors, donc ben, je pense qu'on a fait tout le tour, hein. Je pense qu'on a fait tout le tour. Donc ben ces jours-ci il y a de quoi faire encore entre les semis. Ah non, je vous ai pas fait voir. Donc on fait sécher aussi, nous, parce qu'on aime bien se faire on aime bien se faire des petites soirées au coin du feu. Donc on fait sécher des briques. Alors, des briques. Là on est dans la serre. Eh bien, c'est tout simple. Vous savez, les pubs qu'on reçoit, eh ben moi je les broie. Et quand on les broie, après, ben, ça fait des lamelles. Je les trempe dans de l'eau. Et après, vous avez deux solutions. C'est soit vous achetez un pressoir pour faire des briques et vous pressez et vous en faites des briques et vous les faites sécher. Et après, comme c'est comprimé, ça brûle plus longtemps et puis vous pouvez faire des belles flambées. Ou alors, eh ben, ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre dans une jardinière et puis laisser sécher en le démoulant, en pressant bien. Et puis, ça fait pareil. Sinon, bah, la serre, on est en train de la réaménager pour pouvoir l'utiliser cette année. Et on avait on avait une serre d'extérieur, une mini-serre, mais ça a cassé. Donc j'ai récupéré les étagères. Et donc en accrochant avec du câble, et également à ce niveau-ci, hop, au niveau de ma grande serre, ça m'a permis, je dirais, de faire des petites étagères surélevées. Comme ça, je peux faire des semis. Donc là, en fait, j'ai fait des semis ce matin de 24 godets de 8 graines suite aux explications de Jaco et Lily, enfin de notre cher Jaco, donc en godets pour des petits pois.
Et puis j'ai fait également donc des semis de concombres. Et ce qui me permet en même temps de pouvoir en début de saison, je vais dire planter, je planterai mes tomates. D'ici à ce qu'elles arrivent en dessous des étagères, on a le temps. Et donc, bah, comme ça, moi, je peux continuer mes semis en serre froide, parce que toutes les semis ne se font pas en intérieur. Et ça me laisse le temps de pouvoir aussi travailler le sol, le terrain. Parce qu'on a de quoi faire. Là, on a désassemblé des palettes. Là, on va nettoyer tout ça. Et puis, comme ça, bah, on pourra accueillir nos plants de tomates, nos plants de concombres, parce qu'on fait des plants de concombres. Et également, on va faire plusieurs plants cette année. Donc, de façon à bien remplir les congélos. Parce que. Et il faut avoir à manger, hein. Aujourd'hui, on saisit véritablement, je dirais, suite à tout ce qui se passe, là, tous les bois de structure, on saisit véritablement ce que c'est l'importance d'avoir un potager et ce que ça apporte. Hein, la fameuse phrase, entre guillemets, de M. Macron, le sens de l'essentiel, bah, c'est peut-être un peu ça, je dirais, des fois. Recentrer, je dirais, nos activités et savoir réellement c'est quoi l'important. Parce que si vous n'avez pas à manger aujourd'hui et surtout de la nourriture de qualité, je vais dire qu'est-ce qui se passe? Ben, tomber malade, et puis quand on n'a pas la santé, on n'a pas le moral. Quand on n'a pas le moral, ben, il n'y a rien qui va. Il hein. n'y a rien qui va. N'est-ce pas, Mégane? Hein? Sont bons les légumes du potager? Oui? Hein? Oui, à l'école aussi ils font des légumes. Hein? Et alors, là-haut, il y a des oiseaux qui passent. Hop, je peux pas zoomer. Et là, ça doit être une buse. Peut-être. Donc, il y a de quoi faire. Ça va s'accélérer d'un seul coup. Ici, de toute façon, dans ce rectangle potager, on a prévu de mettre des choux. Donc, on va mettre des choux. Et puis, alors là, ce sera plutôt l'année prochaine. Là, ici, on va avoir une partie ici qui va être utilisée cette année. Ici. Mais après, en ce qui concerne derrière, parce qu'on a, bon, là, on a une tour qu'on a mis pour faire brûler des végétaux. Mais par contre, tout derrière, il y a beaucoup de ronces. Donc, bah, le but, c'est de bâcher et puis ensuite d'enlever le plus gros. Et comme ça, on pourra. Parce qu'après un bâchage, ben, c'est incroyable, mais on obtient ça. Hein. Ben, attention, hein, il y a deux styles de bâchage. Vous avez le bâchage avec du polyéthylène qui laisse rien passer, même pas l'eau. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'après une paire de mois, ben, vous obtenez un sol qui est, ben, et comme ça. Hein. Là, je vais dire, vous avez un sol. Regardez, là, je ne l'ai même pas. Si, je l'ai travaillé quand même, mais bon, à peine. Je vais dire, vous avez quand même un sol. Voilà, là, c'est le sol. Voilà. Hein, et puis, quand on gratouille un peu, on voit qu'il est humide. Hein. Il est humide. Donc, c'est qu'en surface, en fait, qu'il ne l'est pas. Donc, après. Le but, c'est de repérer les ronces et de les enlever. Et puis, ben, parce que là, c'est vrai que ce terrain, on l'a récupéré, il y a pas mal de ronces. Il y a pas mal de ronces. Donc, on le voit. Hein. Donc, le but, ce sera pas simplement, je dirais, de les couper, parce que si on les coupe, ben, ça repousse. Hein. Donc, tout ça, c'est des ronces. Mais ce sera de couper, puis d'enlever tout ça, les déraciner. Donc ça va être un travail de longue haleine, mais je vais dire, à force on va y arriver, et donc de les brûler. Donc, et alors, comme je vous dis, donc les bâches polyéthylène, ça a cet intérêt-là, c'est de. Ça tue tout, mais pas tout, hein, je vais dire, mais bon, ça aide. Et après, ben, au moins pour repérer les ronces, c'est beaucoup plus simple. Si regardez là, par exemple, on en a une. Donc suffira avec une bêche de l'enlever. Et donc ça, c'est de la bâche polyéthylène, donc ça laisse rien passer. Donc vous avez un côté qui est général cette couleur-là, et puis derrière c'est noir. Puis après vous avez la bâche tressée. Hop, voilà. Donc elle, la bâche comme ça laisse passer l'eau.
Donc ça, les UV passent pas, mais l'eau elle passe. Donc en fait, ça permet quand même que le sol, enfin, vous me direz, toutes les nappes phréatiques, elles coïncident, mais bon, malgré tout, ça permet à l'eau de passer. Et au moins, quand vous mettez des plants de légumes, hein, qui ont besoin d'eau, eh ben, je dirais, vous faites des trous dans cette bâche, comme là par exemple. Donc là, c'est un chien. Hein, Ophélie? Ça va? Oh, t'es en train d'enlever ta houppette. Et donc, vous voyez par exemple ici dans cette bâche-là, qui est une bâche de 2 mètres. Hop, j'ai mis une tuile. Hop! Et donc, ici, ben, y a un trou. Donc en fait, j'ai fait des trous. Alors là, je sais plus. Ben, je me demande si c'est pas une bâche à potiron, celle-là. Mais bon, je voulais faire des potimarrons ou des butternuts ici, pour cette année. Donc en fait, les trous sont déjà faits. Et au moins, je vais dire, ça fait un moment qu'elle est sur le sol. Donc elle va y rester encore. Je vais mettre les agrafes. Je vais planter les plants de butternut. Les plants de butternut, ils vont courir. Et puis derrière, je vais mettre une bâche. Et là, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Peut-être travailler quand même un petit peu le terrain. Bon, là, on a une butte. On avait, à mon humble avis, dedans, ça devait être des. Peut-être pas un terrier à lapin, mais. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais il y avait une bestiole. Mais bon, j'ai vu un. Je crois que c'était un furet ou une fouine. C'était un long truc blanc qui courait dans le jardin une fois et qui sautillait. Enfin, voilà. Donc, on va essayer de rabattre ça. Après, on a des cuves ici avec du crottin de cheval. Donc, on l'a laissé à l'air libre pour qu'il se décompose. Pour que ça s'évapore, parce qu'il y a un peu d'eau dedans. Donc le but, c'est que dans 2 ans, je dirais, on va mettre des vers de terre et tout ça, on va nous transformer tout ça et on rendre ça assimilable par le sol. Et au moins, quand on aura des légumes gourmands, ben, on mettra ça dans le trou, avant de remettre un peu de terre et puis de mettre le plant par au-dessus. On en a deux comme ça. Voilà, donc avec du crottin, mais bon là, il y a du liquide. Hein. Donc, il va falloir que j'enlève le plus gros. Du liquide et donc après bah, c'est là qu'on a du taf, c'est ici parce qu'on a de la ronce, mais on n'a pas que ça, on a des bûches qui datent de Mathusalem, donc il va falloir tout enlever et quand on aura bien nettoyé le sol, bah, là on pourra mettre une grande bâche, là pareil, et surtout je vais dire ici on est en train de creuser un trou, c'est pour ça que c'était l'endroit où il y avait des plantes de Christopher. Je l'avais filé l'année dernière. Mais là, on va faire un espace où on va mettre des cuves de 1000 litres. Bon, 2-3 cuves, ça devrait être suffisant. Et mettre des toilettes sèches. Voilà. Mettre des toilettes sèches. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Voilà. Donc là aussi, encore une butte. Hein. Donc, il va falloir l'aplanir. Hein, on va pas laisser les buts ici. On va faire des aménagements, faire des plans, un petit peu comment on va faire. Des vieilles bûches qui étaient dans le fond du terrain qu'on a récupérées pour ben, on va les faire brûler ou alors on verra ce qu'on va en faire. Ou les mettre faire une butte peut-être. Une. Alors vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il a pris une baignoire, ben, tout simplement pour les troncs d'arbres où on fait pousser des pleurotes. Ouais, parce que souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, on cultive aussi des pleurotes. Donc pour cela, on ensemence, je vais dire, des troncs. Et donc vers fin août, début septembre, on a des pleurotes qui poussent. Mais pour ça, je vais dire, quand la saison démarre, ben, qu'est-ce qu'on fait? On immerge les. Ah ouais, là. Suite à mon mariage, j'ai eu mon super voisin Damien qui m'a offert un superbe rhododendron. J'en parlais justement à ma femme une semaine avant que j'aimerais bien avoir un sublime rhododendron. Puis en plus, là, c'est avec des fleurs qui seront XXL. Donc, il va être sublime. Donc, là, bien sûr, sol acide. Donc, j'ai mis. De la terre de bruyère,
70 litres de terre de bruyère et puis j'ai mis une bâche dans le fond pour pas que ça se mélange avec la terre de jardin. Et donc j'ai mis les écorces de pin. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça pousse pas. Et donc les fameux troncs que je vous disais. Ah oui, il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre. Ah, c'est trop important. C'est ici. Donc j'ai acheté chez Beaumo un plant d'argousier. Eh ben il reprend. Il reprend. Regardez. Hop. Il reprend. Alors, l'argousier, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est un arbre qui fait des fruits, des petits fruits orangés, qui sont très, très, qui contiennent énormément de vitamine C. Et très bon pour la santé. Donc après, on a les framboisiers qui reprennent bien. Donc, ben... J'espère qu'on aura une belle production de framboises. Bon, la terre derrière, elle est sec, donc il va falloir la retravailler. Donc on va voir ce qu'on va produire à cet endroit-là cette année. Voilà, donc les framboisiers, c'est bon. On a certains, c'est bon, il y en a d'autres, ça ne doit pas être la même catégorie, c'est plus difficile. Il faudra qu'on leur mette peut-être un petit coup de boost. Les groseilliers, il n'y a pas de souci, les groseilliers, enfin groseilliers rouges, hein, donc c'est bon, c'est reparti. Donc là aussi, hein, écorce de pin, il faudra que je mette des écorces de pin au framboisier, parce que quand je vois le résultat sur les groseilliers, c'est nickel. Donc là, un groseillier rouge aussi qui était en train de mourir et en fin de compte, il reprend. Donc il faudra lui mettre aussi des écorces de pin pour acidifier le sol. Groseillier noir, donc là c'est bien reparti aussi, et ouais, c'est la vie. Voilà, encore un groseillier noir. Il faudra peut-être les protéger avec des filets parce qu'ici les oiseaux il y en a, hein. Donc j'ai repiqué aussi des rhubarbes. Voilà. Alors, on en a mis 1, 2, 3, 4 plants, mais bon, il y en a qui ont un peu de difficulté à reprendre. On verra bien. Après, je suis pas un pro sur les plantes sauvages. Il y a des trucs qui poussent ici, je sais pas ce que c'est, je sais pas si ça se mange. Voilà, vous me direz en regardant ma vidéo, peut-être que vous saurez me dire. Je sais pas ce que c'est que ça, je sais pas. Bon, il y a aussi des orties, hein. On sait très bien ce qu'on peut faire avec les orties. Moi, en général, je préfère soit on fait du purin ou alors moi ce que, alors bien sûr les ronces encore une fois. Hein. Il y en a qui poussent de partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est carrément enlever avec la racine parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Voilà. Ensuite, encore des ronces. Hein. Regardez, il y a des ronces de partout. Mais par contre, on a repiqué notre pied de, on a réussi à avoir des. Par notre petit jojo des trucs pour décorer, mais il va falloir les repeindre, une chose à la fois. Et un arbre à kiwi, bon il est petit hein. Mais ça va prendre. Voilà. Donc comme je vous disais, allons voir de l'autre côté. Alors on a fait un petit banc. Comme on a refait notre cuisine, on a récupéré une poutre. Et donc, plutôt que de rien en faire, quand les enfants sont là, ils peuvent s'asseoir dessus. Et donc là, ici, notre poirier. Alors, un des deux poiriers qu'on a. Alors, vous allez me dire, là, poirier. Ici, je broie du carton marron. Et puis, j'en fais un paillage. Et puis, on a des narcisses qui poussent au pied. Les fameux troncs d'arbres où il y a des pleurotes, on les met à la verticale quand c'est la période, on les humecte, on les met 48 heures dans la métrole, 48 heures dans la baignoire avec de l'eau de pluie, et après on les met à la verticale et ils produiront, grâce au mycélium de pleurotes qui est à l'intérieur, de superbes champignons. Là, un deuxième poirier. Alors il faut savoir qu'on a deux catégories, on a
des générales. Alors, je sais plus. Il faudrait que je cherche dans mes papiers, hein, de catégorie de poirier. Alors là, j'ai pas pu faire de paillage avec du carton, parce que j'en ai plus. Et puis, bah voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Hein? Je crois qu'on a fait tout le tour. Hein? On a deux superbes oiseaux. Hein? On a alors. On a alors. Hop. Bon, on a un lilas des Indes de chez Jacques Briand. Ben, il reprend pas. Hein. Franchement, vachement déçu. Hein. Deux choses que j'ai achetées chez Jacques Briand qui. Non, pas terrible. C'est mort. Donc, heureusement, leurs produits sont garantis. Donc, on va leur demander le remboursement. Parce que voilà. Non. Et puis, on a une Ophélie. Une Ophélie. Voilà, elle joue avec son bâton. Tu joues, ma chérie? Hein? Tu joues? Tu joues avec ton bâton? Ah, tu as posé ton bâton, tu poses. Tu poses pour la photo. Ophélie? Hein? Tu poses? Hein, ma chérie? Oh, tu te gratouilles. Ouh, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien. Oh oui, hein. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, on refera un petit tour prochainement bah, pour voir un peu l'avancement. Et hein, tu dis au revoir, Mégane? Tu dis au revoir aux internautes? Oui. À bientôt. À demain. Dis à demain. Vas-y. À demain? Oh, tu m'as abusé avec ta main. Allez, Mégane. Allez. À demain, les amis. À demain.